Batman! Attention, le voilà, mais crac, boum! Pourquoi je dis tout ça? Parce que vous allez voir que les colis, c'est pas toujours top, top, top avec la poste, qu'elle soit française ou belge ou d'ailleurs. Action! Le nom de Gotham City est synonyme de crime. La violence gagne les rues. Les fonctionnaires sont démunis. Votre maire vous promet de tarir la source de cette corruption personnifiée par Carl Grissom. Notre tout nouveau procureur fédéral, Harvey Dent, m'aidera à tenir ma promesse. Harvey. Bravo Harvey, bravo, bravo Harvey, bravo Harvey. Mais c'est pas top, 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 Harvey. Tu nous as oublié dans la poste. T'as pas fait attention au colis. Et oui, regardez, on a beau avoir du multiverse du Batman à la rédaction, c'est super beau. Mais vous entendez ça? Mon blister est pété, le colis est pété. Alors s'il vous plaît, monsieur les postiers, monsieur les colis, qui que ce soit, qui tu es, où tu te trouves, je te retrouverai, je t'enverrai Batman pour la boîte, cette boîte multiverse de McFarlane. DC Comics, merci des neufs pour l'envoi du colis, mais qui a été explosé. Alors je vous raconte la mésaventure, mes amis. C'est rare que je fais un coup de gueule ici. C'est rare que je suis en colère ici. C'est rare que je fais de la dénonciation. Mais il faut arrêter de nous envoyer les colis dans le jardin, au-dessus de la grille. Parce que quand le colis il tombe au-dessus de la herse, dans la grille, et que le colis se plante dans la herse. Tu entends là? Eh ben le colis, il a été planté, mon Batman, je l'ai retrouvé planté sur ma herse. Et oui, je vous jure que c'est vrai. Donc là, je ne suis pas content. Donc, amis collectionneurs et amis fournisseurs, faites attention, enveloppez vos colis, s'il vous plaît. Papier bulle, et encore papier bulle, papier de soie et compagnie, pour éviter que vos colis se retrouvent éjectés dans votre jardin, comme moi j'ai eu cette mésaventure. Sinon, je suis content d'avoir ce Batman multiverse. Il est super beau, une belle sculpture, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu roi. Et c'est magnifique, c'est beau, c'est bien sur l'étagère. Par contre, c'est un peu comme Star Wars chez Hasbro. Je regrette cette longueur de figurine de cette cape, car bien sûr, si c'est une vitrine Ikea que tu as, bah, ça rentrera mal dedans, mon ami. Donc, il faut prévoir des grandes vitrines pour ces nouvelles boîtes. Alors, amis marchands, amis fournisseurs, amis distributeurs, voyez à vos colis et amis surtout créateurs comme McFarlane, pense à nos petits budgets que nous avons, que les grandes figurines ne vont pas obligatoirement dans des grandes vitrines. Hein, on a des petites vitrines. Aujourd'hui, c'était le coup de gueule. C'était le coup de gueule de Toy, Toy, Toy. C'est rare, c'est de temps en temps, ça arrive. Mais s'il vous plaît, hein. On a passé le message, on s'est compris. Faites attention à vos colis maintenant et c'est gentil. Retrouvez-moi sur Kitul Conso. Like, partage cette vidéo et tu verras la boîte Batman Multiverse DC Comics, bien sûr. Expliquer, sortir, unboxing, obligé car la boîte a été défoncée. Ciao, ciao les amis sur Kitul Conso.